destroyed this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to constructing. His hands have laid the very foundation, the same hand. Bonjour à vous qui êtes à présent en train de nous regarder dans cette vidéo. C'est votre émission Conviction, un numéro de Gospel Cross. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Racheté Le Sangla, des Shalom Tabernacle, voilà, l'argent des Shalom Tabernacle. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Amen. Je m'en vais directement vous poser une question, elle est vraiment très capitale. Oui. Oui. Dans le journal de Gospel Cross, c'est passé et présenté par Billy Omeonga. Oui. Il y a un extrait qui est passé, disons, prêché en ligne ou dans une salle vide à la chair et traité de ces pasteurs qui les font, d'être comédien ou de faire du théâtre. Est-ce correct, pasteur? Merci beaucoup, frère, pour être venu me voir à ce sujet. Je vous en prie. Je sais que vous faites un très bon et grand travail pour nous informer de tout ce qui se passe parmi nous. Il y a les églises qui s'ouvrent, il y a Dieu qui opère des choses, des miracles et des prodiges. Et il y a aussi des nouvelles malheureuses, les pertes des frères et sœurs, ainsi de suite. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait, pas tellement vous, mais surtout ceux de la presse écrite. Ils prennent des émissions, ils sortent des extraits, des phrases de leur contexte, et ils jettent ça comme ça, et les enfants de Dieu sont en pâture. Comme des chiens qui courent derrière des poids, il y a trop de problèmes. C'est vraiment regrettable. Je ne condamne pas seulement ces frères-là, je me condamne aussi en tant que prédicateur que quelquefois nous n'avons pas bien travaillé. Parce que si nous avons vraiment très bien travaillé, nous devrions apprendre à nos bien-aimés que quand il y a quelque chose comme ça, on dit que tel a dit. La logique ou l'honnêteté voudrait que vous rentriez dans l'émission, écoutez d'abord vous-même ce que le frère a dit et dans quel contexte. C'est alors que vous pouvez commenter, au lieu de commencer à commenter, à injurier. Excusez-moi, mais il y a des gens qui injurient ou, pour être modeste, qui insultent. Hein? Ce n'est pas bien, mais je crois que le Seigneur nous aidera à redresser nos tirs pour que vraiment on arrive à être des bons chrétiens, vivant selon le message et étant tolérants les uns envers les autres. Merci, pasteur. Oui. Et que dites-vous de cette question? Oui, pour la question, ça m'amène toujours dans beaucoup de faits. Ouais. Dernièrement, j'ai fait une émission où je conscientisais le peuple de Dieu sur coronavirus, leur demandant de respecter les instructions des autorités sanitaires. Mais j'ai vu dans les médias, surtout Facebook, des collègues pasteurs avec lesquels on a des très bonnes relations, me traiter de tous les noms. Que comment un homme de Dieu peut demander au peuple de Dieu d'obéir aux autorités du pays ou aux lois du pays? Il faut plutôt leur dire d'obéir à Dieu. Bon, moi je sais que obéir à Dieu, c'est croire la parole. Et la parole nous dit respecter les autorités. C'est une maladie, c'est une pandémie. Les autorités nous disent faites ceci, faites cela, faites ceci. Et moi je dis au peuple de Dieu, respectez ces instructions. Je ne vois pas pourquoi on doit me traiter de tous les noms, que je devrais amener les gens à croire la parole et non respecter. Mais malgré ça, moi je les aime. Quand nous nous appelons, nous rions. C'est la vie. Chacun est libre de donner son opinion. On ne doit pas se tirailler et s'injurier. C'est leur opinion. Moi j'ai donné mon opinion et je continue. Mais quand tu as prêché dans une salle vide, là aussi j'ai suivi beaucoup de commentaires. Ça revient à la première remarque que je viens de faire. Ouais. Qu'il faut écouter, voir le contexte. Mais quand je lis tous les commentaires, même ceux qui sont contre moi, je trouve que vraiment, je pensais qu'on avait des gens intelligents au milieu de nous. Mais je constate que
La parole a toujours raison. Nous sommes tous pareils. Regardez comment nous sommes appelés. Il n'y a pas de grand milieu de vous. Il n'y a pas d'intelligent. Donc, j'ai compris que l'intelligence, ce ne sont pas les diplômes universitaires. Ouais. L'intelligence dont on parle là, le frère Branham et la Bible nous enseignent qu'au milieu de nous, nous ne sommes pas tellement intelligents. Restons seulement dans la parole. Quand nous entrons dans le raisonnement, c'est pourquoi il dit, n'ajoutez rien, ne mettez pas vos raisonnements. Il avait raison. Voyez des gens, oh, mais lui, il pense quoi? Il est contre les gens qui prêchent en ligne. On peut avoir un auditoire invisible. Mais qui est contre ça? Moi-même, je prêche en ligne. Et il y a même des auditoires invisibles qui me suivent. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas contre cela. Mais on m'a posé une question. Il ne s'agissait pas de prêcher en ligne ou de prêcher sur les réseaux. Il ne s'agissait pas d'avoir un auditoire invisible. On m'a dit, frère Acheté, peux-tu prêcher aussi dans ton église pour que ton peuple te suive, mais à la chair? J'ai ri. J'ai dit, je ne peux pas. L'église vide. Que je vienne dans l'église, je me mets à la chair avec un interprète, avec les caméras. Alléluia! Dites amen! Ah, je ne vous sens pas, église. Alléluia! Mais ça, c'est de la comédie. Je suis en train de faire une comédie. Il n'y a pas un autre mot. À moins que les gens là me disent, non frère, le mot là est dur. Voilà le bon mot français. Je vais changer, prendre ce mot-là. Mais pour moi, racheter Lusanga, faire ça, j'ai dit, ce serait faire de la comédie, du théâtre. Moi, je ne suis pas un metteur en scène. Mais je n'ai pas dit que quand je suis chez moi à la maison, ou au bureau, à l'église, ou à la maison, je prêche, j'exhorte, je parle au peuple de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est de la comédie. Même le frère Branham, deux fois quand il prêchait, il disait aux gens de réagir. Et il dit, je le fais pour que les gens qui suivront la bande, qu'ils sachent qu'il y avait des gens présents. Quand je parlais, c'est une citation de frère Branham. Je n'ai pas le temps d'aller prendre et lire. Tous ceux qui parlent là, ceux qui sont des lecteurs, ils connaissent, ils n'ont qu'à aller chercher. Joseph Branham nous a donné des puces, il nous a donné beaucoup de choses, il nous a facilité la tâche. Faites aussi des recherches. Branham dit, pour que les gens qui suivent sachent que vous étiez là présents. Bon, maintenant, moi, entrer là où il n'y a personne, j'ai dit alléluia, dites amen, je ne vous sens pas église. Pour moi, si je le fais, en moi, je saurai que je suis en train de faire du théâtre. Je ne peux pas le faire. Et j'ai bien dit que si quelqu'un, il trouve qu'il peut le faire et que pour lui, il ne sent pas en lui qu'il fait du théâtre, c'est comme ça qu'il est conduit, qu'il le fasse, il est libre. Donc moi, je ne suis pas libre de donner mon opinion. Et il y a des pasteurs qui m'ont appelé, ils vont suivre. En Afrique du Sud, ils m'ont appelé à Bruxelles, ils m'ont dit, pasteur, tu as raison. Moi, je prêchais dans la salle vie, mais moi-même, j'ai trouvé que c'est comme des aventures que je suis en train de faire. Et ils ont dit, non, non, nous prêchons chez nous à la maison. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Je n'ai pas dit que prêcher en ligne ou avoir l'auditoire invisible, c'est être comédien. Je n'ai traité personne de comédien. J'ai parlé de moi-même. Si je le fais me retrouver là-bas, en tout cas, je serai en train de faire une comédie. Je ne le ferai pas. Donc, supportez-moi. Je suis votre frère. C'est comme ça que je conçois les choses. Ne me traitez pas de tous les noms. Si vous voulez le faire, faites-le. Donc, je pense que cette question doit être réglée une fois pour toutes. Elle est réglée. Ok. C'est sûr qu'elle est réglée. Ouais. Parce que vous avez dit que vous n'attaquez personne. Non. J'ai parlé de moi. C'est ce que je sens. Que je serai en train de faire la comédie. Mais je ne suis pas contre parler. Vous êtes dans votre bureau, vous prêchez. Il y a des hommes, oh, Branham aussi, et on le suivait par l'auditoire invisible. Mais oui, même moi, on me suit. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Portugal, par-ci, par-là, qui m'écrivent. Ils n'ont pas une église du message. Ils vont des fois dans les églises pentecôtistes. Ils me suivent. C'est l'auditoire invisible. Mais je ne peux pas aller devant la chair et faire ce que l'on me demande de faire. Non, jamais. Est-ce juste, selon la parole, est-ce en règle de demander que l'on paye des dîmes et des offrandes à travers la monnaie électronique. Exemple, un PESA, comme nous l'avons ici chez nous. Mmh. Oui, est-ce juste de faire cela? Bon, je n'ai pas une écriture pour dire que c'est correct ou ce n'est pas correct. Je n'en ai pas, donc je ne peux rien dire là-dessus. Mais ce que j'ai compris, comme c'est toujours l'émission Conviction, ouais, moi, je ne le ferai jamais, surtout en cette période. Il y a des choses qui peuvent être normales dans une période donnée.
Quand tout va bien, tout marche, vous dites aux gens, non, vous pouvez envoyer, si vous êtes en voyage ou vous êtes en péché, envoyé par ça. C'est un problème local d'une église. Ça reste là. Ce n'est pas un souci. Mais en cette période de confinement, où d'abord nos brebis, il y en a qui n'ont pas à manger. Ils ne vont même pas au travail. C'est qu'ils n'auront même pas les salaires. Ils vont payer la dîme, les offrandes avec quoi? Nous devrions compatir. On ne va toujours pas avoir l'argent. Et en cette période-là, vous vous dites aux gens, envoyez l'argent. Bon, si vous le dites encore dans un cercle fermé, tu vois, il y a beaucoup d'églises en Europe où les sites internet ont des clés. Ouais. Et chaque membre de l'église a la clé. Même s'il est en déplacement, il peut entrer, il suit la prédication de son pasteur pour être au même pied d'enseignement avec l'ensemble de l'église. Ouais. Mais quand nous avons des sites ouverts à tout le monde, et je me mets là à envoyer l'argent par M-Pesa, Orange Money, ou mettez ça dans mon compte, je donne mon compte, ou allez donner ça à l'église, ou ceci, c'est sale. Moi, je ne peux pas tomber si bas. Je ne le ferai jamais. Chaque membre d'église est enseigné. Un chrétien sait qu'il doit payer sa dîme. Exact. Et il payera sa dîme d'une manière ou d'une autre. Il donnera ses offrandes. Mais le dire sur des réseaux sociaux, je trouve que c'est dégradant. Moi, je ne le ferai pas. Comment les gens vont me considérer? En cette période difficile, ils voient que l'argent, pour votre argent. Oh, un frère m'a posé la question, mais réponds à ce frère-là au téléphone. Vous voyez, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Quand nous disons aux gens, écoutez les bandes, j'ai lu les commentaires. Ouais. Oh, mais pourquoi nous en parler? Un chrétien sait qu'il doit écouter les bandes tous les jours. Ce n'est pas important de nous en parler dans les réseaux. Mais quand on dit envoyer l'argent, personne n'ose le temps. Pour dire que non, laissez-nous tranquilles, nous avons toujours appris à l'église qu'il faut payer la dîme. Nous paierons la dîme, il ne faut pas nous rappeler ça dans les réseaux. Mais là, on n'en parle pas. Donc, ce sont des esprits. Ouais. Parlons de la parole. C'est le moment où les enfants de Dieu veulent vraiment être exhortés et être encouragés. Que nous puissions même les aider. Ceux qui n'ont pas de possibilités, ceux qui n'ont rien, nous devons les aider que de leur demander d'amener l'argent. Ce n'est pas mauvais de demander qu'on envoie par ces voies-là. Mais en ce moment ici, le dire, moi je pense que je ne le ferai pas. Et même dans d'autres circonstances, le dire sur des réseaux en public, le monde entier te suit, je trouve que... Bon, on dira toujours que moi j'ai des termes un peu sévères, mais en tout cas je ne tomberai pas si bas. Je ne le dirai pas. Chaque chrétien, il connaît son devoir. Il y a même un de vos collègues qui avait aussi pris un extrait de quelque chose que j'avais dit, toujours sur l'argent. Il a publié, les gens sont allés dans tous les sens. Alors qu'il a sorti ça de son contexte. J'avais dit, les chrétiens savent qu'ils ne payent pas la dîme au pasteur. Ce qui fait qu'ils feront tout. C'est un problème d'un chrétien avec Dieu. Ils feront tout pour payer leur dîme. Je n'ai pas aller dans les médias pour leur dire payer la dîme. C'est la parole, ils connaissent la parole. Ce n'est pas au pasteur. La dîme, la Bible dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Et ce n'est pas le pasteur qui est le trésorier dans la maison du trésor là. Il y a des trésoriers. Allez donner. Le temps dans lequel nous vivons, les églises ne sont pas fermées. Les églises sont ouvertes, les églises ne sont pas fermées. Dès tout à l'heure, là, après, j'irai à l'église, j'ouvre l'église, j'entre dans mon bureau, je travaille un peu. S'il y a des gens à recevoir, je vais les recevoir, je vais prier pour eux. Ce n'est pas un souci. Les églises ne sont pas fermées. Les trésoriers sont là, les administrateurs sont là, les diacres, ils viennent chacun à son horaire et le pasteur à son horaire. Les églises ne sont pas fermées. Quand ils vont à l'église, c'est lui qui a l'offrande, c'est lui qui a la dîme, c'est lui qui en a. Il paye. Mais dès que je dis que c'est à la maison de Dieu qu'on paye la dîme et les offrandes, ce n'est pas au pasteur. Les gens sont allés dans tous les sens. Ils ont sorti ça du contexte. Comme si moi, on a donné une fois la dîme au pasteur, au frère Branham. On a donné, comme si moi j'ai dit que le pasteur ne peut pas toucher la dîme. S'il touche, c'est un péché. Non. Je disais dans un contexte clair. Si Dieu dit que la dîme, il faut aller jeter au fleuve, aucun chrétien ne dira à Dieu, oh mais Dieu, au fleuve là, quel poisson va avaler ça? Non. On ira jeter au fleuve, on s'arrête là. Quand on dit amener dans la maison du trésor, votre problème c'est amener à la maison du trésor. Ce n'est pas savoir ce que le pasteur a eu, le pasteur n'a pas eu. Déposer là-bas. Le pasteur que je suis gestionnaire. C'est l'argent de Dieu. Ce n'est pas mon argent. Je ne dois pas prendre ça pour amener à la maison. Je prélève un salaire.
Et le reste, c'est l'argent de Dieu pour les autres qui travaillent avec moi. Nous avons des jeunes gens, des musiciens, tout ça qui viennent à l'église. Il y en a qui ne travaillent pas. Il faut leur transport, il faut ceci, il faut cela. Mais c'est dans cet argent-là. Mais quand je dis la dîme n'appartient pas au pasteur, on va chercher les citations. Oh, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Voyez l'esprit, le contexte dans lequel on parle. Apporter l'argent dans la maison du trésor. C'est les quatre murs, ce n'est pas le pasteur. Parce que Dieu dit, vous me volez. Il n'a pas dit que vous volez le pasteur. Exactement. Il a dit, vous me volez. Comment nous te volons Dieu? C'est dans les dîmes et les offrandes. C'est que quand vous ne payez pas, c'est Dieu que vous volez. Mais vous êtes chrétien, vous connaissez votre devoir. Je vais te faire rire. Des fois, nous, on a un peu trop d'audace hein, et de toupet. Des fois, tu nous entends dire, oh, tel frère m'a dit qu'il volait ma dîme. J'ai prié pour lui, je lui ai pardonné. Ah, soyons assez humbles. Il a volé ma dîme. Est-ce que la dîme est à moi? La dîme ne m'appartient pas. La dîme appartient à Dieu. Mais Dieu m'a demandé de me nourrir de la dîme, de prélever mon salaire. Et malheureusement pour moi, Shalom Tabernacle, ça fait 5 ans, je n'ai jamais prélevé de salaire jusqu'à aujourd'hui. Mes administrateurs sont là, les diacres sont là, l'église est jeune, tout ce qui vient, je remets à l'église le fonctionnement. C'est ce qui fait qu'on avait construit un petit bâtiment dans 2 mois seulement. 2 mois et demi, on a construit et on a dédicacé. Je n'ai pas encore prélevé. J'ai dit à l'église que non. Après 5 ans maintenant, s'il y a possibilité, donnez-moi seulement le carburant pour venir recevoir, venir prêcher, jusqu'à ce que je verrai que l'église n'a plus de besoin et ainsi de suite. Alors, je peux prélever un salaire pour vivre. Mais en attendant, ce que je reçois, je le mets à l'église. D'accord. Je reçois les dîmes aussi par-ci, par-là. Les gens m'envoient. Branham, on lui envoyait aussi les dîmes. Mais la pensée, c'est que, regardez Branham dire que, on lui donne la dîme, il dit non, ce n'est pas moi qu'il faut donner. Il faut aller mettre ça à l'église. Et on lui dit non, on te donne pour que toi, tu ailles mettre. Nous devons être assez honnêtes. Moi, quand on me donne la dîme, je viens à l'église, j'appelle les trucs, voilà, on a donné autant. Ils mettent ça dans les livres, ils écrivent. L'émission, c'est conviction. Je parle de mes convictions. C'est comme tout à l'heure, quand on parlait de faire du théâtre, aller dans l'église. Moi, le peuple de Dieu, je les exhorte en ligne. Pendant 10-15 minutes, je leur parle et après, je leur dis, nous allons écouter telle prédication de frère Branham, de telle page à telle page, de telle, ainsi de suite. Donc, c'est le moment où nous devons écouter les bandes. C'est la voix que nous devons écouter. Okay. Même quand je suis en voyage, j'ai toujours dit à l'église, ne mettez jamais ma bande. Nous avons un seul ministère de bande. C'est le ministère de Malachie 4. Moi, je n'ai pas un ministère de bande. Je suis dans l'église, avant de voyager, je leur prêche sur ce rangeur du côté de Jésus. Je parle de ce jour-là au calvaire. Ouais. Je voyage et on prend ma bande et c'est rangé du côté de Jésus. Mais pourquoi ne pas prendre directement la bande de Branham? Parce que c'est là que j'ai pris ça. Normalement, aujourd'hui, les Éphésiens 4, dans l'épouse, notre ministère est lié au ministère de bande. Nous devons puiser dans les bandes et nourrir le peuple de Dieu. Car c'est là que leur nourriture a été emmagasinée. Donc moi, je n'ai pas quelque chose à donner au peuple de Dieu. On ne doit pas prendre ma bande pour mettre à l'église. Frère, il y a des petites choses. Tu vois, quand le diable vient, c'est dans des petites choses. Ce sont des esprits dénominationnels. Exactement. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous avons un message. Quand je ne suis pas là, il y a 2 faits. Le frère Branham nous dit de répéter ce que nous prenons dans les bandes. Et il nous dit d'écouter les bandes. Quand je suis même là, il y a des jours où je prêche, il y a des jours où nous venons tous, nous écoutons les bandes. Moi, pasteur, je deviens brebis. Quand Branham parle, je suis une brebis. Nous sommes là pour écouter. Mais quand je ne suis pas là, un autre Éphésiens 4 va leur répéter Branham. Pourquoi on doit mettre ma bande? Parce que je suis pasteur. J'ai toujours dit à l'église, je ne suis pas le visionnaire de Shalom Tabernacle. Je ne suis pas le leader de Shalom Tabernacle. Le visionnaire et le leader, c'est le frère William Marion Branham. Moi, je suis son auxiliaire. Je ne puise que dans le prophète et je donne au peuple. Quand je suis en voyage, je prends des ministres qui vont répéter Branham et il y a des jours où l'église suit Branham directement elle-même. Donc, je suis personnellement, je ne le ferai jamais, jamais et jamais. Alors, je n'ai pas un ministère des bandes. Il n'y a que Branham qui a un ministère de bandes. On écoute les bandes de frère Branham. Je crois avoir répondu à ta question. Oui, oui. C'est ma conviction.
Vraiment, révérend, merci. Hein? C'est mon opinion, hein? c'est ma conviction. Tout à fait. Ouais. Révérend, dites-nous, s'il vous plaît. Nous savons que nous vivons une période vraiment très critique. Oui. Alors, il y a une contamination interhumaine. Alors, il y a des mesures prises par les autorités pour essayer de réduire cette charge de l'épidémie ou de la pandémie, dirais-je. Dites-nous, refuser de recevoir, par exemple, des croyants qui viennent vous voir, vous consulter pendant cette période des coronavirus jusqu'à leur interdire de passer chez vous à la maison. Comment vous trouvez cela? Bon, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas si... Non, c'est juste une question. Ah bon. Ouais. Non, je ne peux pas le faire. Mais écoute, nous avons les instructions que j'ai même véhiculées en faisant une vidéo de sensibilisation et d'exhortation et d'encouragement. Chaque enfant de Dieu sait qu'il doit se protéger. Ouais. Comme je le disais là, quand Christ a dit, quand vous verrez la désolation, fouillez, il n'a pas dit prier. Donc, il y a des instructions que nous devons respecter. Chacun doit rester chez lui. C'est le confinement pour essayer quand même de réduire. Et si la maladie peut ne pas atteindre beaucoup de gens, c'est normal. Chacun le sait. Mais quand il y a une urgence, pourquoi je dirais aux gens de ne pas venir me voir? Non, moi, je ne sais pas. Il y a une chose que j'aimerais souligner ici. Hein. Souvent, quand moi, je fais mes émissions, je ne suis pas pro. Peut-être dans une année, deux ans, je peux faire une émission. Je crois que ça fait cinq ans que Shalom Tabernacle existe. Dans cinq ans, je n'ai pas fait plus de trois émissions. Alors, je n'aime pas tellement les médias, les presses, tout ça, j'aime pas. Ça crée toujours des problèmes. Surtout les frères aussi qui aiment le buzz. Ouais. Il sort une phrase de son contexte pour que les gens s'entre-déchirent. C'est seulement parce que nous avons fait un mauvais travail. Si on avait formé des vrais chrétiens et que nous ne nous étions pas introduits dans le cœur des fidèles, et qu'on a introduit la voie qui est dans les temps, ça, du temps de la fin, les gens ne vont pas se réunir. Moi, injuriez-moi, dites tout ce que vous voulez, opposez-vous à mon opinion, vous ne verrez jamais un membre de Shalom Tabernacle écrire « Oh, pourquoi vous avez fait ça ?» D'ailleurs, ils ne le feront jamais parce qu'ils sont enseignés. Ils liront seulement que non, ça c'est son avis, tel a son avis. Ils ne sont pas là pour me défendre ou pour défendre l'Église. Nous parlons du message. Souvent, quand je donne des réponses, je dis « Oh, tu t'attaquais à qui ?» M'attaquais à qui ? Je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de suivre les prédications des gens. Même si ça vient, oh, tel a dit, il prêche. Nazapaka, je ne suis pas. Chacun est libre dans son église de prêcher ce qu'il veut. Mais moi, ne pas recevoir les enfants de Dieu, je ne pense pas. Un pasteur ne ferait pas ça. C'est un danger. Et une sous-question, pasteur. C'est un danger. Alors que vous répondez à cette question. Ouais. Et vous n'avez pas peur, par exemple, de recevoir ce coronavirus? Non, ça vous fait pas peur? Les instructions sont là. Ouais. Maintenant, vous êtes venu. Vous n'êtes pas venu vous amuser. Vous êtes venu parce que vous aviez un objectif, un but à atteindre. Je vous ai reçu. En respectant les consignes, vous lavez les mains, vous venez, vous vous mettez à peu près à un mètre. C'est normal. Je n'ai pas peur. Je sais que c'est Dieu qui me garde. Dans une citation que j'ai publiée parlant de coronavirus, le frère Branham dit « Mon bras me fait mal ». Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin parce qu'il avait le Saint-Esprit qui l'a inoculé. Mais ils n'ont pas voulu le croire. Ils l'ont piqué. Parce que c'était la loi des autorités sanitaires. Avant de quitter les États-Unis pour l'Afrique, par exemple, vous devez être vacciné. Et il a accepté. Ouais. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas peur. Mais quand on a dit quelqu'un qui vient, qui se lave les mains, qui fasse ici, je le respecte. Si un fidèle est malade ou il a un problème, il vient, il veut que je prie pour lui. Pourquoi je vais le chasser et pourquoi je vais dire aux gens de ne pas venir? Ils savent déjà qu'ils ne doivent pas venir pour se protéger. Mais si quelqu'un vient, c'est qu'il est dans un besoin. Je vais prier pour lui. Je ne peux pas dire aux gens... J'aimerais encore, comme j'ai un site privé, hein, rien que nous de Shalom Tabernacle, j'aimerais encore que je leur dise, ne venez pas à la maison, personne ne le suivra. Mais si je le dis, par exemple, toi tu l'entends, tu me prendras pour... Bon, tu vas y prendre pour un pasteur aventurier. Comment, dans des moments difficiles, je ne veux plus recevoir des brebis? Donc, je crois que si c'est nécessaire, une brebis a vraiment besoin de voir son pasteur, je le recevrai.
S'il faut prier, je prierai pour lui, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, à l'église, parce que je disais ici que les églises ne sont pas fermées. Nous continuons à faire notre travail. Ouais. Donc, je dois recevoir. Non, je vois mal comment je peux ne pas recevoir une brebis qui a besoin de mes voix. Normalement, une brebis doit voir son pasteur. On ne doit pas laisser un pasteur ne doit pas sentir le parfum. Nous devons sentir les brebis, les mettre sur le cou quand ils ont un problème, tout ça, bien qu'avec les épidémies, on respecte, mais les brebis doivent savoir que nous les aimons, nous les approchons, nous les appelons, nous parlons avec eux. Si maintenant une brebis ne peut plus voir son pasteur, en quoi il est son pasteur? Seulement dans les bons moments. Pasteur, j'ai ta dîme ici, j'ai un paquet de dîmes. Venez, venez, je suis à la maison. Pasteur, je suis malade, je veux que tu pries. Non, ne venez pas. Non. Si je dis encore que ça, c'est faire des aventures, on dirait que toi, tu as traité les autres des aventures. Je dis non, moi, si je fais ça, je serai vraiment un aventurier. Vraiment. Pasteur, peut-être un petit mot de la fin. Nous sommes à la fin de notre émission Conviction. Oui, ah, vraiment. Un mot de la fin, je dirais Oyekoya Eya. C'est une expression de Frère Branham. Ouais. En français, on l'a traduit par Advienne que pourra. Le Frère Branham dit que le diable envoie tout ce qu'il veut envoyer. Tempête, maladie, coronavirus notamment, pandémie, épidémie, Branham me dit qu'il envoie tout ce qu'il veut. Et il dit, advienne que pourra. Oyekoya Eya. Vous, restez dans le message. Si vous restez dans la parole, Branham dit ce que Dieu fera quand le diable enverra toutes ces choses. Dieu vous prendra dans ses mains. Et il va vous bercer comme une maman berce un enfant. Amen. Quand la pandémie vient ici, coronavirus, Dieu t'amène là. Amen. Quand ça passe, il tire ici, Ebola, il t'amène là. Amen. Il te protégera. Amen. Donc, le mot de la fin, c'est « Advienne que pourra ». Oyekoya Eya, restons dans le message. N'écoutons pas toutes les voix qui circulent. C'est le moment où nous devons écouter la voix emmagasinée dans les brochures. C'est ça la nourriture des aigles. Mangeons cela, restons dans la parole. Rien ne nous fera du mal. Même si ça nous touche. Marc 16 en action. Nous ne craignons rien. Restez dans la parole. Aimons-nous les uns les autres. Je dis à moi, et ici maintenant, je m'adresse à tous mes collègues serviteurs de Dieu. Prions pour l'épouse de Christ. Prions aussi que Dieu nous fasse grâce. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Quand nous commettons les erreurs, au lieu que l'on vienne dire, c'est moi qui oui, là j'ai vraiment commis une erreur, demander pardon, rectifier nos tirs. Nous, les pasteurs, on ne se répand jamais. On a toujours raison, on connaît tout, on fait, c'est pas bon. Mais moi, Dieu m'a conduit maintenant à reconnaître des erreurs. J'endosse même ce que les collègues font, parce que nous sommes un corps, nous sommes pasteurs. Si un pasteur a fait une erreur, on me dit, vous les pasteurs, j'ai dit oui, pardonnez-nous. Ça peut arriver, nous sommes des hommes, on peut mal parler, on peut déplacer un mot, nous sommes des humains, mais priez pour nous. Soutenez-nous. Au lieu de commencer à nous injurier, à nous opposer les uns aux autres. Chacun a son avis. J'ai donné mon avis dans conviction. Celui qui accepte, il accepte. Celui qui refuse, il refuse. Il est libre. Mais quand c'est le message de Frère Branham, là, on ne discute pas, nous disons amen. C'est pourquoi sortons des églises. Sortons des... Oh, mon pasteur, mon église. C'est le message qui nous unit. Là, on a le même langage. Branham a dit alléluia. Branham a dit amen. C'est bon. Mais quand Dieu racheté a dit, oh, lui, parce qu'il est... Alors là, ça aura toujours le problème. Voilà, c'était ça mon mot de la fin. Merci au révérend pasteur. Merci de nous avoir reçus. C'était le pasteur Rachete Lusanga, berger de Shalom Tabernacle. Merci énormément à vous de nous avoir suivis. Billy Kabeya à la présentation et Jean-Claude Chumbe derrière la caméra. C'était Conviction, un numéro de Gospel Post. Ciao. Quelle heure est-il? Je vous demande. Quelle heure est-il? Est-ce que c'est le temps où la vision doit s'accomplir? Est-ce que c'est le temps où la vision doit s'accomplir? L'arc-en-ciel a balayé l'espace. L'ange puissant est déjà descendu. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a rugi comme rugit un lion. Les étonnés sont déjà révélés.